Touba, cité des lapes célestes, capitale du Bafing, est située à plus de 800 km d'Abidjan. À la grande mosquée de la ville, imams, guides religieux, filles et fils des régions du Bafing, du Béré et du Ouro-Dougou ont célébré la deuxième édition de la Nuit du Destin baptisée le Ouroba 2016. Une nuit qui vaut plus de 1 000 mois d'adoration. Pendant le mois de Ramadan, Dieu attache tout ce qui est satanique, Dieu ouvre le cœur des gens, Dieu ouvre les paradis. Et donc, il faut profiter par des gestes d'adoration intense. Au cours de cette nuit, imams et guides religieux ont exhorté les filles et fils du district de Ouroba à l'union, l'entente et à la solidarité. Le but, c'est d'amener donc tous les enfants à méditer sur les thèmes qui sont développés ce soir par nos imams. La solidarité, la fraternité et l'union. Que nous profitons de cette nuit-là pour faire beaucoup de prières. Et pour les populations et pour le pays. Aujourd'hui, il y a des cadres de tous les horizons du Ouroba qui sont ici. Il y en a peut-être qui ne pensent pas forcément la même chose. Mais au-delà de cette différence, nous sommes là. Lecture du Saint-Coran, prêche, chant liturgique ont meublé cette cérémonie religieuse pour le bonheur de l'ensemble des fidèles musulmans du district du Ouroba. Je suis une maman, j'ai éduqué mes enfants à être unis. Parce que sans l'union entre les frères, rien ne marche. Le Ouroba 2016 s'est achevé par des bénédictions le lendemain en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels et du parrain Ahmed Bakayoko, fils du Ouro-Dougou, par ailleurs initiateur de la célébration de la Nuit du Destin dans le district du Ouroba. Il y a trop de divisions dans nos régions pour des questions de positionnement. Mais vous savez, si on a la foi, si on est croyant, que la place, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas les palabres qui donnent la place. Et nous devons entourer tous nos fils qui ont un rôle important. C'est leur position qui nous permettra d'avancer. Après le Ouro-Dougou et le Bafing, la troisième édition de la Nuit du Destin dans le Ouroba aura lieu l'année prochaine dans la région du Béré.